Alhamdulillah jadi anak ini terus kebaikan. Alhamdulillah terobin anak ini amal lebih ikan di sekolah. Bapaklah wakilnya anak kebira berkira alaih sahbiri. Wa asyikamanda ilah hadithu Allah wa'adhamu'ala jadikala. Adhan Tuhan Tuhi. Wa asyikadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasyadu bi'annahu balla risalah. La salat va nous aider,
Il n'était pas un bon musulman, il n'était pas parfait. Mais à travers des prières qu'il a accomplies ce jour-là, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, et aujourd'hui, toi tu participes à la prière des humains à la mosquée. C'est toi qui participes à la prière des fêtes à la mosquée. Sinon, si on se retourne un peu en arrière, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Il n'a pas la tata à l'infantier ou non. Et la salade qui était accomplie il y a 30 ans, il y a 20 ans, ce sont ces salades-là qui t'ont aidé à être un musulman aujourd'hui bien pratique, encore une des fiers de la pratique islamique. Donc, cette prière a ses conditions. Nous avons cinq conditions préalables à la prière. Avant d'accomplir la prière, il y a des choses à respecter. Et si nous parlons de la validité globale de la prière, il y a ce qu'on appelle les conditions de la prière et les piliers de la prière. Mais nous allons utiliser ça en deux étapes. La première étape, ce sont les conditions d'abord que nous devons remplir, respecter avant la prière. Mais pour couler la prière elle-même, il y a ce que nous appelons les actes obligatoires de la prière. Car là, nous donnons la bonne compréhension. La première condition de la prière, à dire du nouveau de l'autre. Il faut que l'heure de la prière arrive d'abord. Cela veut dire quoi? Il est 13h ou il est 13h moins? Est-ce que nous pouvons accomplir la prière de Isha maintenant? La réponse est non. Je ne vais pas accomplir la prière de Isha maintenant, même si je mémorise le Saint-Coran et je suis en état de vivre jusqu'à la mission. Pourquoi? Car il n'est pas encore l'heure de la prière de Isha. C'est l'heure de la prière de 13h. Donc, il faut que l'heure de la prière arrive d'abord. Pourquoi il dit dans le Nord du Coran, surat 4, surat 9, verset 103 ici, il n'a pas la tagade à la nourriture inhabitable de nos côtes. Il dit la salade que nous accomplissons, c'est vrai que Allah nous a recommandé sa cette obligation, mais Dieu a rendu sa obligatoire dans des verbes bien précis. J'ai mis dans des verbes bien précis. Quelqu'un peut poser la question. Est-ce que dans le Nord du Coran, on trouve l'heure de la prière des Isha ou on trouve l'heure de la prière des Fajr? La réponse, on va dire non, mais on peut dire oui. Car quand on parle du Nord du Coran, on parle toujours de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne peux pas accepter le Coran en donnant le Hadith. Tu ne peux pas accepter le Hadith en donnant l'eau au Coran. Donc le Hadith vient expliquer, commenter le Nord du Coran. Et c'est dans le hadith que nous allons déterminer les différentes heures de prière à travers les hadiths de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, il dit prier comme vous m'avez vu prier. Est-ce que nous avons vu Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Nous n'avons pas vu le message alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers une chaîne de transmission, à commencer par ses compagnons, et ceux qui ont vu leurs compagnons à travers des générations et des générations, et nous trouvons ça écrit dans les livres. Bien conservé et que nous parlons des hadiths, donc le messager des salats wa salam a bien déterminé les différentes heures de prière. La deuxième condition préalable à la prière, c'est-à-dire la purification de la sueur mineure et majeure, c'est-à-dire être pur, être propre de l'état de la grande ablution et de la petite ablution. Quand on parle de la sueur en islam, en spiritualité, ça veut dire quoi? Quand on parle pour le faire comprendre la sanité, sanité dont on parle ici, c'est pas parce que la personne travaille au champ, ou soit c'est dégagé la vie du protestant. Ici, islamiquement parlant, nous parlons de la purification spirituelle, c'est-à-dire la grande ablution et la petite ablution. Il faut que l'individu respecte toutes ces étapes-là, qu'il soit en état de purité, de la propriété, avant d'accomplir la prière. Pourquoi le messager est salat wa salam nous dit la yakbarullah salat de khayruhu? Il dit Dieu n'accepte aucune prière sans la purification. Cela veut dire quoi? Il est là de la prière. Je respecte déjà la première condition. Mais moi je prie pour accomplir la prière. Mais c'est quelle prière tu vas accomplir? Est-ce que moi-même tu as l'état de la mission? Est-ce que tu n'es pas l'état de la grande ablution qu'on appelle Yalaba, etc., etc. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans la surah 5, surah al-Ma'idah, au verset 6, qui dit « Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. » Dans ce verset, Dieu invite les croyants. Il dit « Lorsque il est l'heure de la prière, vous vous levez pour la prière, il dit « Faites d'abord vos ablutions. »
Il est marié, il a une rapport intime avec sa femme. Ou soit il est juste, Dieu l'a trouvé une femme, il ne s'est pas encore marié. On lui dit, tant tu fais des rêves érotiques et au réveil, tu as dit des traces, tu es dans l'obligation de faire la grande addition. Et chez la femme, à la fin de l'état de ses menstrues, elle a l'obligation d'accomplir la grande addition. Toujours chez la femme, après l'accouchement des 40 jours, qu'on appelle le chien, à partir de cet instant, elle va accomplir encore la grande addition. Ou soit c'est qui vient de se convertir en islam, et celui-là a l'obligation d'accomplir la grande addition. Voici les étapes où la grande addition est obligatoire, et maintenant la grande addition devient une recommandation. Le jour du vendredi avant de venir à la mosquée, et le jour des deux grandes fêtes, la fête de Ramadan et la fête des Tabaski. Donc, à partir de cet moment, la grande addition devient obligatoire sur le croyant musulman. Troisième condition préalable à la prière, pour que la prière ne soit acceptée, la troisième condition, donc, nous avons parlé tout à l'heure de la purification, que ce soit l'addition, la petite addition, la grande addition. Maintenant, la troisième condition, c'est la purification du corps de l'être humain, du musulman, son vêtement et l'endroit, le lieu où doit accomplir sa prière. Voyez, quand on parle de la salade, ce n'est pas seulement des mouvements. Bien avant la prière, il y a des règles, il y a des normes à respecter que nous appelons les conditions. Ton corps est en état de purité. Tu es propre, tu as l'ambition, tu n'es pas l'état de la grande ambition, tu t'as quitté et tu as fait la petite ambition. Est-ce que toi tu peux prier? Oui, tu dois prier, mais il faut respecter aussi que la vie que tu portes, la vie soit propre. Quand on dit que la vie soit propre, il faut que la vie que tu portes ne soit pas touchée par des éléments que l'islam a rendu haram. Dire si cette chose touche ton ami, tu ne peux pas prier avec, en moins que tu laves ton ami. Je ne sais pas, le gars, l'urine, ça fait partie des choses qui rendent la vie sale. Donc, à partir de ce moment, une fois que la vie est touchée par lui, donc tu vas laver cet habit, ou soit la partie qui a été touchée, si c'est possible, dans la bonne compréhension. Donc, en fait, maintenant, nous parlons de la troisième condition, ou en tant que cela, lieu où tu dois accomplir la prière. Est-ce qu'on a accompli la prière n'importe où? Non, on n'accomplit pas la prière n'importe où. Tu peux être en addition, tu es décemment habillé. La vie que tu portes respecte les normes, c'est-à-dire la vie est en état de vérité. Et toi, tu décides d'accomplir la prière où les gens vont se soulager, où les gens vont prier à chaque fois. Donc, cet endroit n'est pas propice, n'est pas juste pour accomplir une prière. Là où on doit accomplir la prière, cela doit être un endroit bien propre. Et le tapis que tu utilises doit être propre, ou la nappe que tu utilises doit être propre, ou soit si tu es sur le sol, là où tu pries doit être propre. D'accord ? La quatrième condition préalable à la prière, c'est pour l'aura. C'est-à-dire que les parties intimes, je dis que les parties intimes doivent être ouvertes. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Les parties intimes chez l'homme, qu'est-ce que c'est? Du nombril jusqu'au genou, c'est ce que nous appelons chez l'homme que ce sont des parties intimes. Pourquoi? Le messager Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths rapporté par Abdullah ibn Jafar, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala ma baina sura wa rukba awra rawahu al-Hakim. Il dit chez l'homme, chez le garçon, ce qui est entre les nombrils et les genoux, se fait partie des parties intimes. Donc dans la prière, c'est parti là où on est dessus, ne pas là-dessus, donc c'est parti, tu dois bien t'habiller. Et la question maintenant, aujourd'hui, en face de ce développement rapide, nous interpellons la jeunesse, surtout la jeunesse de jeunes garçons. La vie que tu portes, le pantalon que tu portes, que ce soit en ville ou quoi que ce soit, si c'est trouvé les parties que nous venons de citer et ton corps est visible, retiens que la prière que tu es en train d'accomplir, tu n'as pas encore respecté les conditions. Je dis bien sûr, le vieux garçon, la vie que tu portes, c'est trouvé, c'est percé partout. Et fais attention, il faut que tu portes ton coup là-dessus pour accomplir ta prière. Car la prière n'est pas une chose pour se débarrasser. La prière, c'est le moyen de communication entre toi et ton créateur.
pourquoi il dit dans le noble Coran en surat 7 au verset 31 surat al-Araf, ici ya bani adam kuntu dinatakum inda kulli masjid, il dit oh fils d'Adam, prenez avec votre main à Dieu vous descendant à chaque lieu ou à chaque portée. Toi tu viens te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala et c'était privé d'acquitter cette obligation et n'importe quelle avis. Mais lorsque tu vas rencontrer le DG, lorsque tu vas rencontrer le ministre, vraiment tu seras bien habillé. Entre le DG et Allah, qui est supérieur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu n'as pas compris, alhamdulillah, aujourd'hui, on te fait comprendre. Quand vous devez prier, il faut être décemment habillé et le corps va respecter comme nous devons décider. Nous venons maintenant chez la femme. Quand on parle de la nudité de la femme, ou soit des parties intimes de la femme dans la prière, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam va nous indiquer et les savants ont bien détaillé. Dans la prière, la femme, tout son corps doit être couvert sous son visage et ses deux mains. J'ai dit bien sous son visage et ses deux mains. Et aujourd'hui, sur le marché, vous trouverez des voiles, j'ai dit bien si c'est trop cher, c'est 3000 francs. J'ai dit bien acheter un voile à 3000 francs ou aller acheter une robe à 100000 francs, c'est juste normal. Mais si il s'agit adressé à l'enfant à Allah, le jour de la résurrection, qu'est-ce que tu dirais à Allah? Toi, tu avais les moyens d'acheter tes robes à 100000 francs, mais par contre, le voile qui irait t'amener vers le paradis et le salut à l'enfant à Allah à 3000 francs, tu as privilégié 100000 francs à céder 100000 francs à céder de 3000 francs. Non. En allant dans les cérémonies, ce voile doit être dans nos sacs. Si les gars de la prière des frères vont me trouver là-bas, la prière des sœurs vont me trouver à la cérémonie, j'enlève mon voile et je prie correctement. Et après, je vais remplacer, je place le voile là où il est. Et c'est l'occasion aussi pour interpeller les parents. Surtout le mari qui a l'obligation ici d'acheter ce voile pour sa femme, qui a acheté ce voile pour sa fille et d'acheter ce voile pour sa sœur. J'ai dit bien, ça fait partie des devoirs de l'homme vers sa femme. C'est-à-dire les droits de la femme de son mari, c'est de préserver son islamité. En préservant son islamité, il faut que les habits décents soient disponibles pour ta femme. Et ça ne coûte pas cher. Si c'est trop, c'est 3000 francs. Et c'est le voile, du bien, qui va couvrir la femme comme l'islam l'a recommandé. Donc, ça, c'est la quatrième condition à la prière. Et enfin, la cinquième condition pour la prière, c'est qu'il va le Qibla. C'est-à-dire s'orienter vers la Qibla une fois qu'il est l'heure de la prière. Je suis en état de vérité. La vie que je montre, elle est propre. Comme on appelle l'endroit, elle est propre, etc., etc. Et enfin, maintenant, la vie que je montre respecte les normes islamiques. Je dois me orienter maintenant vers la Qibla pour accomplir la salat. Et à partir de ce moment, nous disons, la prière que tu viendras accomplir, cette prière respecte les normes qui respectent les conditions de la prière. Et nous partons automatiquement sur les piliers de la prière. Quels sont les piliers de la prière? Tantôt, vous allez trouver les actes obligatoires, ou soit les piliers de la prière. Dans le d'autres livres, vous pouvez aller après. Vous allez trouver dans d'autres livres à 2, vous allez trouver dans d'autres livres à 10. Mais retenons seulement ce que nous avons cité et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La première condition et la première obligation de la prière, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'il est l'heure de la prière. Je suis à la mosquée, ou soit à domicile à la maison, ou je suis au bureau. Donc il faut toujours formuler l'intention. L'intention, qu'est-ce que c'est? L'intention est interne. L'intention, c'est dans mon cœur. L'intention, c'est quoi? Lorsque je regarde quelque chose, ce qui me vient en tête, c'est ce qu'on nous a besoin d'intention. Donc on n'a pas l'obligation de prononcer l'intention. Quand on donne la bonne compréhension, quand le messager est à la porte de la musique, il n'a pas la main de l'IAS, il les a fait par leur intention. C'est-à-dire, si tu dois prier, tant que tu n'as pas formulé l'intention, cette prière-là, ça serait en prière de Kala Mouda dans la compréhension. Deuxième acte obligatoire de la prière, à dire que c'est faire la débarque. C'est-à-dire, c'est tenir debout ou c'est dit qu'on a capacité de le faire. C'est tenir debout, mais tu vois, quand on prie, on s'arrête pour prier. Donc, le fait de t'arrêter pour prier, si tu n'es pas malade, c'est ce qui est obligatoire. Mais pour celui qui est malade, on lui autorise à utiliser une chaise ou à s'asseoir sur le tapis directement. Donc là, il y a une question de la
kita bisa jadi nukul di rapat yang hidup di depan luka pasti. Sehingga dia memang dia pilih, bisa dia memang saja problem hidup, kita tunggu di sini, bisa dia di depan, bisa dia di tunggu di sini, A, B, C, dan C. Bisa dia di depan, tak semua, juga tunggu di sini, A, B, D, dan C, 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 dan Lorsque j'ai dernier posé la question, il ne se sent pas bien. J'ai dit au messager alayhi salatu wa salam, comment dois-je prier? Le messager alayhi salatu wa salam lui dit, tu pries tant que vous. Si tu ne peux pas, tu t'assois. Si tu ne peux pas, prie sur le côté. Quand on donne la bonne compréhension, vous voyez quelle belle religion qui s'adapte à différents contextes, qui regarde l'individu, l'état qui traverse, ou dit non, soit ton état, on trouve ça dans la jurisprudence islamique. La troisième obligation de la prière, takbir après l'ihram, c'est de prier Allah ou Akbar. Le prier Allah ou Akbar que nous lançons est fait partie des actes obligatoires de la prière. Mais attention, c'est prier Allah ou Akbar, nous devons les lancer et tenter vous. Pourquoi nous disons cela? Tu viens à la mosquée et tu viens trouver l'imam dans la génération, c'est-à-dire le roukou. Et on dit, quand tu trouves l'imam dans le roukou, tu n'as pas raté cette rakat. Mais toi, ton Allah ou Akbar, tu as lancé ça et tant déjà à baisser. Cela n'est pas recommandé. Il faut lancer le prier à la bonne foi et tentez-vous. Car là, vous donne la bonne compréhension. Car le messager de Salat wa Salam dit les temps pour Salat, temps pour vous. Watahim ou Ha'atakir, Watahim ou Ha'atasim, Rawah ou Abu Daoud. Il dit la clé du prière, c'est la purification, c'est la prière. Watahim ou Ha'atakir, la prière sacrée, c'est Allah ou Akbar. Donc quand il y a Allah ou Akbar, la prière devient automatiquement une chose sacrée. Et enfin, on va dire, pour on dit la prière la plus faible, c'est le salam alaykoum. Et quatrième acte obligatoire de la prière, qira'atul fatiha. Réciter la fatiha. Et bien, réciter la fatiha est un acte obligatoire de la prière. Vous savez qui connaît la fatiha. Et celui qui ne connaît pas la fatiha. Celui qui ne connaît pas la fatiha, il s'est converti à l'islam, il a embrassé l'islam, pendant qu'il a atteint l'âge, troisième âge. Près de 70 ans déjà. Il a des difficultés, il n'a jamais été à l'école, il ne sait pas lire et écrire. Et ce dernier, on a tout fait pour qu'il puisse mémoriser la fatiha et il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on lui fait? Nous allons lui dire, il dit Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, en lieu et place de la fatiha. C'est une religion magnifique. C'est une religion qui s'adapte à tout le monde. Et c'est une religion de tous les temps. Car nous avons la bonne compréhension. Et cinquième, à propos, Watamani Rafi. C'est-à-dire la génuflexion dans la prière, ça fait partie des actes obligatoires de la prière. La génuflexion veut dire quoi? C'est le recours, le fait de mettre les deux mains sur tes genoux. Et étant dans le recours, observer la tranquillité et la sérénité. J'ai dit bien observer la tranquillité et la sérénité. Cela veut dire quoi? De ne pas être pressé au cours de ta prière. Et le fait de se redresser, le redressement du recours, ça fait partie des actes obligatoires de la prière. Et continuez de toujours, sixième acte obligatoire et septième acte obligatoire de la prière, à ce jour. Ça, c'est le sujoud. Quand on parle de sujoud, cela veut dire quoi? Le fait de bouger le front et le nez, le sol, c'est ce qu'on appelle le sujoud. Mais étant dans le sujoud, observez toujours la tranquillité et la sérénité toujours. Pourquoi nous disons cela? Un jour, le messager a la voix, cela, dans sa mosquée, il a vu un de ses compagnons accomplir une prière. Et quand le monsieur, à chaque fois, vient vers lui, il lui demande d'aller prendre sa prière jusqu'à trois fois, jusqu'à ce que le monsieur accomplit. Et lui, en face de lui, le messager de Dieu, il dit, si ce n'est pas cette façon de prier, je ne connais pas d'autre moyen de prier. Le messager, c'est comme cela, l'oriente. Mais dans cette orientation, que vous compreniez, il lui dit, à chaque fois que tu fais le repos, il faut que tu sois bien tranquille dans ton repos. C'est-à-dire, ne sois pas pressé. Et quand tu te relèves de nouveau, il faut que tu respectes aussi. Le corps retrouve tes membres et toutes les places. Et quand tu pars dans le sujoud, il faut observer les mêmes règles et les mêmes gestes. Et c'est ce que nous appelons la tranquillité et la sérénité dans la prière. Huitième acte obligatoire de la prière, attache à vous. C'est le tahiyya. Quand on parle de tahiyya, je parle du dernier tahiyya ici. C'est-à-dire le dernier tahiyya est un acte obligatoire de la prière et pour terminer, attaché et
salam final qui viendra mettre fin à ta prière. Donc c'est cela qui viendra mettre fin à ta prière qui est dit déjà dans les hadiths. Il y a une prière, la clé d'une prière, c'est la purification. La sacralisation d'une prière, c'est Allah Akbar. Et pour mettre fin à une prière, il faut dire le salam alaikum. Donc le salam final que nous lançons à la fin, donc ça fait partie d'un acte obligatoire de la prière. Quelqu'un qui a suivi toutes ces étapes-là, et à la fin de la prière, il se dit descendu le salam, on dirait que ta prière est réveillée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc voyez-vous, les éléments cités tout à l'heure, qui sont les actes obligatoires de la prière, si on rate un de ces éléments, ça nécessite de réparer soit la raka, c'est-à-dire l'étape complète, ou soit l'étape d'un petit ajouté. C'est pourquoi nous disons que ce sont les actes obligatoires de la prière que personne, ni bien aucun musulman, ne doit ignorer. Ça nous donne la bonne compréhension. Mais pour bien comprendre ces étapes, ça a besoin des questions. Approchez vos imams et approchez vos guides religieux et approchez vos ustas. Ce que vous n'avez pas compris, posez la question, ils vont vous éclairer là-dessus. Mais un jour, pour terminer le message de Mohammed Ali Salah wa Salam, il était avec ses compagnons. Il est déjà ici. Un jour, il était de passage, il voit deux hommes. Il dit, vous voyez ces deux hommes, ces deux individus sont en train d'être châtiés. C'est-à-dire, actuellement, ils sont en train de subir les corrections de la part d'Allah. Mais il dit, si vous voyez la première hommes, ils ne sont pas châtiés pour grand chose. La première, c'est lui là, à chaque fois qu'il voulait se soulager, il voulait irriguer, il ne se protégeait pas des individus. Donc, faisons attention. L'islam vient d'abord. Un, pour dire, c'est lui qui a l'habitude d'écrire n'importe où. Et n'importe comment, ça peut être la cause du châtiment total. Et deuxième étape que nous comprenons dans ces hadiths, éviter, ou soit se soulager dans un endroit bien protégé, tu vas protéger l'environnement. Et toi qui as l'habitude d'écrire n'importe où, lieu de passage des gens, à chaque fois que les gens seront dérangés, ils vont te courir. Et voyez-vous, la malédiction des hommes, et Dieu avance pas dans vous, elle ne sera pas content de toi. Et la deuxième fois, il dit celui-là, il marchait entre les gens, il comportait. C'est-à-dire, il prend la parole de ses derniers, et il va dire à l'autre, et à chaque fois qu'il écoute pour l'autre, il va dire à celui-là. Donc, celui qui a sa propre son comportement doit s'arranger dès maintenant pour qu'il soit en conformité avec les recommandations de Dieu et les hadiths que le Mohammed al-Islam wa salam. Va dire maintenant, cela concerne ceux qui prient. Ils ne respectent pas les états que nous venons de citer. Et le message à l'Esprit de la dit à ce moment-là, vous êtes dit, il y a ce que vous faites, quand vous avez fait, il y a ce que vous faites, quand vous avez fait, 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 quand vous avez fait. Il dit, la nouvelle personne, il dit, c'est celui-là qui vole dans sa prière. La question que vous allez me poser, comment peut-on voler dans sa prière? Et je pense que c'est la même question qui a été posée au messager à l'Esprit-Port. Les compagnons lui ont posé la question, comment peut-on voler dans sa prière? Comment tu peux voler ta propre prière? Et le messager à l'Esprit-Port a dit, celui qui vole dans sa prière, c'est celui-là qui ne respecte pas le rukou, qui n'est jamais tranquille dans le rukou et qui n'est jamais tranquille dans ses sujets. Comme vous l'observez de moi, quelqu'un qui vient obtenir la carte, s'il ne fait pas attention en 10 minutes, il va valider cette carte. Tu es pressé, tu comptes. Dieu t'a créé pour l'adorer. Toute la journée, c'est pour toi. Apporter les 5 minutes. Si chaque prière obligatoire est 5 minutes, apporter les 5 minutes de 24 heures à ton créateur. Est-ce que c'est insignifiant? Cela représente quoi? À chaque fois que tu apportes plus de temps à Allah, la vie d'ici-bas sera plus pour toi. Et tu vas bien préserver. Tu vas bien te préserver contre les différentes tribus et tu vas bien et préparer pour la vie normale comme nous venons de citer. Et je veux alors voir en voie d'Allah la prière que nous accomplissons chaque 5 fois. Et ça soit un moyen de nous approcher plus d'Allah en voie d'Allah et que ça soit un moyen pour nous être toujours à l'abri des différentes tentations et que ces différentes prières soient le prix du paradis pour chacun de nous. A vous les corps et d'Allah, wa astaghfirullah, 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 wa